Moi, je suis assez fier de rencontres d'Amso, Lucas V, Prinsley et Augustin. On a réussi à faire quelque chose de poussé, mais sans être trop expérimental et genre, ah ouais, ils ont été dans leur délire. Que moi, je sais qu'en concert, ce titre-là, ça va être n'importe quoi. Et ça, c'est fort. C'était Face, l'album Face de George Michael. Je devais avoir 15 ou 16 ans et c'était incroyable de vivre un été dans le sud de la France avec cet album-là. The Original de Jeru the Damaja. Juste l'instru avec cette espèce de piano mal bouclé, je crois que c'était produit par DJ Premier, ça m'avait complètement fracassé la tête et j'avais commencé à écrire un texte sur ça. Pas répondre tout seul à cette question, je dois être accompagné de Lucas pour y répondre parce que c'est un album qu'on a fait à deux. Ouais. Lucas V. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est... Tue l'amour, je pense. Ah ouais? Ouais. C'est le temps qui tue l'amour. Le futur me fait la cour. Et c'est putain de routine. Tue l'amour ou sublime, je pense. Je veux juste me souvenir qu'on était sublime. Poids lourd, c'est très chaud aussi. Après, tous les textes sont bien, mais dans ces, moi, je dirais ces trois-là, sublime. Après, ouais, c'est pas un, c'est trois. C'est quand je suis triste, quoi. Il aime bien quand je suis triste. Moi, je suis assez fier de rencontres. Je serai plus jamais en S, non. Je serai plus jamais en S, non. Je serai plus jamais en reste. Damso, Lucas V, Prinsley et Augustin, on a réussi à faire quelque chose de poussé, mais sans être trop expérimental et genre, ah ouais, ils ont été dans leur délire. Je pense que quand on écoute le son, on sent le côté expérimental et absolument fracturé, mais quand même, ça reste agréable et tu passes par plein de trucs qui font que, moi je sais qu'en concert, ce titre-là, ça va être n'importe quoi. Et ça, c'est fort. C'est chaud, on parle de Lucas V. Je dirais que c'est le Love Ma Gueule. C'est le Love Ma Gueule. Samedi soir, la musique hop qui sort du train. Zistor. Moi je pense que t'allais dire Klimt. Ouais, Klimt c'est cool. Ouais, j'avoue, c'est cool. Après, ouais. Moi Casino, ça je restera toujours dans mon cœur. Dans la vie, c'est chaud, ouais. Merci Lucas. Salut. Je prends mon fauteuil. Je dirais Shook Ones de Mobb Deep. Tu peux pas faire plus rap. Si on part de rap, tu vois, en plus des années 90, l'attitude, la prod, le clip, tout est chaud. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. La nuit je mens de Bashung, où il a fait une reprise de Mansay qui s'appelle Voyage en solitaire. C'est trop trop beau. Il voyage en solitaire. Et nul ne l'oblige à se taire. C'est tellement cliché. Mais c'est Blonde de Frank Ocean. Although you got beaucoup family, you don't even got nobody being honest with you. C'est devenu tellement un standard pour tout le monde que c'est, tu vois, limite même j'aurais aimé pour moi personnellement qu'il reste en plus indie et que ça marche pas autant. Comme ça aurait été mon truc à moi, tu vois. Mais tant mieux pour lui, hein. C'est un morceau de Claudia Barry, Love for the Sake of Love. C'est vraiment cliché, ça fait limite film pornographique la musique, mais vraiment c'est trop fort. Pour moi, la chenille, c'est des titres nuls. C'est les mariages à la salle des fêtes, t'as des fraises Tagada et tu vois. Ah ouais, ça marche. Ça marche, pète les plombs aujourd'hui en chenille. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, je te laisse un. Je te laisse une seuf. Tu peux faire une chenille, tu peux te mettre derrière ça. Tu veux toujours me faire des trucs bizarres, Rachid. Comme le je pète les plombs avec les... Je pète les plombs, putain je pète les plombs. Putain je pète les plombs, même je pète les plombs. Attends, attends, j'arrive. Au plus près, c'est des coulisses. Mais une seuf. Moi j'en ai un. Vas-y. C'est Rattlesnake, King Gizzard and the Lizard Wizard. C'est une dinguerie. Ok. Salut. Salut.